jean paul garot pour le rassemblement national bonsoir merci d'être avec nous. Euh, finalement oui, bon avoir soir. rejoint marine le pen au cours de cette campagne européenne c'était un pari gagnant pour vous. Oui, non, mais ce n'est pas une question de Paris, ça correspond totalement aux idées qui ont toujours été les miennes. Je n'ai pas changé d'idée, je n'ai pas changé de conviction, et je me retrouve en fait naturellement là où je suis, parce que j'ai partagé effectivement la, li la ligne politique du Rassemblement national pour ces élections européennes, et en même temps, il est vrai, euh, je subissais... Et... Comme beaucoup de militants, d'adhérents, de sympathisants des Républicains, un parti profondément divisé, et nous voyons effectivement où nous en sommes aujourd'hui. Je voudrais simplement rectifier un petit point par rapport à ce qui a été dit en annonce. Euh, quand on prend la région Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, donc c'est le Rassemblement national qui est devant la République en marche. Et d'ailleurs, je précise que la République en marche, la liste Madame Loiseau, c'était une liste qui n'était pas qu'une liste République en marche. Nous savions Jean. bien sûr qu'il y avait le modem Agir qui composait cette liste. Quand on voit finalement euh, ce que fait, si je puis dire, euh, la liste en elle-même de Paul la République Carreau. en marche, nous ne sommes plus qu'à 19%. Quand vous voyez que les républicains sont la quatrième force politique en France, vous avez vraiment le sentiment qu'une page politique est tournée oui, parce qu'il euh, y a peut-être un mérite à, à M. Macron, même si ce n'est pas de, de son fait, c'est qu'il y a un bouleversement total de l'échiquier politique, c'est clair, vous avez maintenant euh, des souverainistes, des nationaux en quelque sorte, et des mondialistes. C'est un, d'ailleurs une séparation que l'on trouve aussi bien sur le terrain national que sur le terrain européen. Ces deux conceptions, vous au Parlement européen opposées. justement à ce propos. En tant qu'élu de, de terrain du, du Libournais que vous avez bien connu, est-ce qu'il y aura une voix du Rassemblement national en faveur des viticulteurs pour que l'Europe les entende bien sûr, mais j'avais déjà beaucoup travaillé quand j'étais à l'Assemblée nationale en tant que vice-président du groupe viticole de l'Assemblée nationale. Je vais bien sûr continuer à travailler sur la matière viticole, agricole et sur bon nombre d'autres matières, puisque les Français ne se rendent peut-être pas tous compte l'influence évidemment de la politique européenne. Mais euh, il est vrai qu'il y a un, un net succès du Rassemblement national. Neuf régions sur treize ont placé le Rassemblement national en, en tête. Euh, nous avons gagné d'ailleurs 580 000 voix par rapport donc, aux, élections, aux dernières élections européennes de 2014. Donc c'est une progression historique. C'est d'ailleurs une progression euh, qui, euh, qui, élection après élection, se fait de plus en plus sentir. Merci donc, beaucoup Jean-Paul. Jean, être... Je vous remercie bon. pour ces propos. C'est déjà à la fin de cet entretien. Je vous remercie beaucoup d'avoir été l'invité du 19-20.